Messieurs, dames, salut, demoiselles, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le début du café. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait le début. J'étais un peu étouffé par d'autres obligations. Mais ce match, je me suis dit, IKF, franchement, il faut que tu la fasses. Il faut que tu fasses ce début pour rentrer en matière du Sénégal. Allez, le début, il commence maintenant. Premier match, première victoire, c'est ce qu'on appelle une entrée en matière réussie. Et surtout avec la manière, j'ai vu une équipe du Sénégal qui m'a impressionné particulièrement, autant sans ballon qu'avec le ballon. Sans ballon, ils ont vraiment asphyxié, étouffé cette équipe tanzanienne. Ils les ont étouffés, ils les ont poussés à la faute, ils les ont perturbés dans leur relance. Et donc, ça a un peu perturbé les yeux de la Tanzanie. Des saisons qui ont commis beaucoup de fautes, beaucoup de tactiques, beaucoup d'approximations, et donc on perd beaucoup de ballons grâce un peu à système de jeu qu'a mis à l'exister. Et donc avec le ballon aussi, c'était un vrai régal. C'est assez rare pour le souligner. J'ai vu quand même l'équipe du Sénégal qui a produit un jeu quand même un peu léché, qui s'est créé des lignes de passe, qui s'est créé facilement des circuits de passe. Un jeu de possession, c'est assez rare aussi pour le souligner. Des latéraux qui ont été assez considérables dans le rapport offensif. Je pense notamment à Sabali qui a fait un énorme match, et en milieu de terrain surtout qui a été assez créatif. Pape Alundiaï qui a été impressionnant, autant dans le jeu avec ballon que sans ballon. Il a vraiment fait une bête de masse, Pape Alundiaï. Et Ganagay, si vous voulez, c'est un peu le double pivot avec Pape Alundiaï, mais à des heures sans du match, il joue aussi comme sentinelle. Mais par moment, on le pouvait quand même jouer très haut. Par moment, on le pouvait quand même. Il faisait des projections, des dépassements de fonction. Voyez-vous, souvenez-vous un peu sur le but de Keita Balde. C'est lui qui se trouve aux avant-postes et c'est lui qui fait un peu la dernière passe à Keita Balde. Et donc, il a beaucoup apporté sur le plan offensif. Défensivement aussi, il a été très costaud comme à son habitude. Et la petite pépite, quoi, notre petite pépite, Tretan Diatta, qui m'a particulièrement ébloui. Lui, il a entraîné sa première sélection il y a 3 mois. Et depuis, franchement, il est devenu incontestable, incontournable, indéboulonnable. Alors, peut-être que j'exagère un peu, peut-être que je m'enflamme un peu aussi. Mais franchement, aujourd'hui, je ne vois pas comment Aliou Cissé pourra se passer dans tel outil, dans son dispositif tactique, dans son animation offensive. Franchement, c'est une vraie rapide, et c'était un peu le profil des joueurs qui nous manquait dans cette équipe nationale, c'est-à-dire ce joueur créateur, ce joueur qui va créer un peu le lien, qui a du ballon, qui a du toucher, qui va un peu organiser le jeu, essayer de pousser au maximum les avançants, faire jouer un peu les autres. Et on peut épargner cette tasse à Sadio Mané ou à Keita Balde. Et surtout, quelle personnalité! Le mec a 20 ans, il joue quand même son premier match de Coupe d'Afrique, beaucoup de joueurs, et il serait un peu tétanisé, un peu inhibé par l'événement. Lui, il ne se casse pas sous sa culotte, il te sort en bête de masse, et surtout une bête de frappe. Son but, quand même, elle n'est pas facile à réaliser, parce que le ballon, il vient avec un effet assez particulier, assez flottant. Et donc, il faut mettre la bonne dose, il faut utiliser la bonne surface du pied, ne pas trop la mettre coup de pied, ne pas non plus trop la mettre extérieure du pied. Et franchement, c'était réussi de sa part, première réussite de Krapel Data. Mais ce bémol quand même dans ce match, parce qu'on a eu l'emprise d'Iseuse de Lézy, je l'ai dit, c'était ce manque d'efficacité symbolisé un peu par un baignant qui a déjà, sur les 10 premières minutes, il a mangé la feuille de match 2 fois, et sur l'ensemble du match, il n'a jamais trouvé le cadre, il n'a jamais un peu rectifié ce petit bémol dans son jeu. Et franchement, je pose la question de savoir, est-ce qu'il a fait un mauvais match? Alors, pour un attaquant, c'est toujours délicat, parce que quand il ne marque pas un but, on a toujours tendance à dire, ah, il a fait un match pourri, ah, il a fait un match pitoyable. À tort ou à raison, parce qu'un attaquant, quand même, la cause principale de son contrat, c'est marquer un but. Mais franchement, hier, quand je regarde le match de Mbagnan, je ne pense pas qu'il a fait un si mauvais match que cela, parce qu'il a fait les bons appels, il a fait les bons contrôles de balle, il a participé aux jeux, il a fait de bons dribbles.
Mais quand il fallait prendre la dernière décision, quand il fallait faire la dernière phase, quand il fallait ouvrir bien son pied, quand il fallait un peu mettre la bonne dose, c'est là où il a pêché. Mais franchement, dans le jeu, il a été d'un apport considérable. C'était un jouxon. Tous les attaquants sont passés un peu par ça. Et on espère vraiment que lors du prochain match, il se ressaisisse. Et j'ai beaucoup adoré aussi la gestion d'Ali Cissé, qui l'a sorti, qui a retardé un peu son changement le plus tard possible. Parce que s'il le sort, par exemple, à la 60e, je vous assure que vous perdez le mec pour le reste de la compétition. Alors, il y avait aussi un match dans le match entre Diaoba Leketa et Ismaël Sarr, parce que, comme vous le savez, Sadio Mané va revenir lors du prochain match. Mais sur le plan comptable, franchement, Diaoba Leketa, il a marqué plus de points que Ismaël Sarr, parce qu'il marque un but, parce que dans le jeu aussi, il a beaucoup participé, il a eu un peu moins de décès que par rapport à son vis-à-vis Ismaël Sarr, qui n'a pas fait un mauvais match non plus, mais il y a eu aussi ce décès dans son jeu. Alors lui, il est un peu, c'est un peu difficile d'analyser un peu son jeu, parce que c'est un jeu ADC, c'est un logiciel un peu ADC. On ne pourra jamais épurer carrément ce décès, c'est lui. Mais franchement, c'est pas un cadeau pour les défenseurs adverses, parce que sa capacité de vitesse, sa force d'accélération, je peux vous assurer que les défenseurs, ils aiment pas trop ça. Et donc, voilà, sur la continuité, parce que c'est quand même en des zones de base d'Ali Cissé, c'est depuis qu'Ali Cissé est là, c'est quasiment Ismaël Sarr qui joue titulaire. Balé Keita a un rôle un peu de numéro 2, mais à lui un peu Balé Keita, quand il va rentrer en jeu, de rentabiliser ses minutes et de montrer à Ali Cissé qu'il peut venir titiller Ismaël Sarr et pourquoi pas le remplacer. Et donc, prochain match sera face à l'Algérie. Franchement, il faudra être un peu plus efficace, parce que dans les grandes compétitions, il y a ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire ces moments propices pendant lesquels une équipe doit tirer le match, pendant lesquels une équipe doit marquer un but, pendant lesquels une équipe doit un peu mettre le coup fatal. Et franchement, hier, quand on regarde le match, le Sénégal, s'il met 5-6-0 à la Tanzanie, il n'y a pas de scandale. Aujourd'hui, quand tu peux taper une équipe 5-6-0, il faut mettre ces 5-6 buts, parce que c'est bon pour la confiance, c'est bon aussi pour les statistiques. Et aujourd'hui, franchement, on est resté combien d'années sans gagner la Coupe d'Afrique. On doit se poser la question, pourquoi on ne gagne pas la Coupe d'Afrique? Bah, je regardais un peu la première période d'hier, je me suis dit, ah, là on a peut-être une bulle d'explication par rapport à cela. Parce que quand vous créez des occasions, bon, faut les mettre au fond, parce que les grandes compétitions, on les quête comme ça. On est cynique devant, on est tueur devant, on est clinique devant, on est chirurgical, et à la fin, on gagne. Donc voilà, c'était un peu tout pour le début de ce match du Sénégal. On se retrouve bientôt pour un nouveau début. D'ici là, continuez à partager, continuez à liker et surtout activez la cloche parce que de bien meilleures choses sont à venir. Hola, OSNDIA es especial. Les DIA que nació le Messi. Te amo tanto. Feliz cumpleaños, mi amor. Te deseo de ganar esta copa. Besos. Hola, feliz cumpleaños Lionel Messi y gracias por todo tu hacer la futbolista mundial y especialmente FC Barcelona. Gracias, te amo. Feliz cumpleaños Messi, te deseo lo mejor. Espero que vas a realizar tus sueños con Argentina. Te amo mucho. Feliz cumpleaños, te deseo de ganar la Copa este año.